sans ce nom, cœur est si lourd. Je ne peux plus porter ce fardeau qui me voûte. Père, je t'appelle au secours. Je t'avais donné, Jésus, mon cœur. Puis j'ai cherché le bonheur ailleurs. Je ne trouve ici-bas aucune paix, aucune joie. Soon.
Bonjour à tous. Comme vous le savez, c'est Suzanne Barra, la servante du peuple gabonais de l'Afrique. Et vous savez bien que chaque jeudi, c'est un jour de deuil pour nous. Le jour où Bongo, qui a pris le pouvoir, qui est passé en force, a pris le pouvoir et il a décidé de doter les vies des centaines de Gabonais, des centaines des fils et des filles. Et pour cela, nous qui sommes mères, nous qui sommes dans la résistance, nous avons décidé d'observer chaque jeudi, de penser, de nous recueillir ce jour-là, de penser à nos fils que nous aimons, qui nous manquent, qui nous ont été arrachés. Et pour rien au monde, nous n'allons les oublier. Voilà pourquoi je viens faire ce live. Je le fais chaque samedi, chaque jeudi, je veux dire. Hein. Je le fais chaque jeudi, en guise de rappel. S'il y en a peut-être qui ont oublié que le peuple gabonais est en deuil depuis le 31 août 2016. Ce peuple n'est pas seulement en deuil depuis ce jour-là. En fait, c'est parce que Bongo a commis un génocide. Il a trop tué de monde en une nuit. Sa milice a tué trop de monde. Je ne veux pas dire que ces crimes se sont révélés que ce jour-là, que ce soir-là, non. Ces crimes sont depuis longtemps, depuis qu'il est dans cette famille-là, depuis qu'il a décidé de vouloir prendre les rênes du Gabon. Eh bien, nous savons que à sa solde, c'est lui qui a fait assassiner Rengembe, nous le savons. C'est encore lui qui a fait assassiner Georges Raoui, nous le savons. La liste, elle est longue. Et quand il a fait son passage en force, en 2009, il a tué des Gabonais à Port-Gentil. Donc, il est assis sur un pouvoir de sang. Et pour cela, nous venons rappeler au peuple gabonais, au peuple du monde, que des familles gabonaises sont endeuillées. Et pour cela, nous n'allons pas arrêter. Nous continuerons de dire haut et fort que nous voulons que justice soit rendue à tous les citoyens qui ont perdu leur vie, à tous les citoyens qui sont tombés sous les balles de Bongo. Donc, un devoir pour moi, en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que résistante, de rappeler, de dire, n'oublions pas nos fils qui sont tombés, de dire, justice doit être rendue au peuple, aux personnes qui sont tombées sous les balles de Bongo. Et aujourd'hui, nous savons que le cas Gabon est sur la table de la CPI. Nous ne voulons pas être défaitistes ou négativistes. Nous voulons être positifs. C'est nous le peuple. Et nous subissons des injustices. Nos vies sont ôtées. Donc, nous devons faire rappeler au monde entier. Nous devons faire rappeler à cette Cour pénale internationale qu'elle doit faire son travail de justice. Oui, parce qu'un peuple est mort, un peuple est décimé. Il y a eu un génocide. Bongo Ali a commis un génocide. Et chaque jeudi, je reviendrai personnellement rappeler notre état d'esprit actuellement au Gabon. Nous pleurons nos enfants. Il n'y a pas de joie. Nous cherchons nos enfants. Beaucoup de Gabonais, de jeunes Gabonais, sont dans les geôles de Bongo. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils ont manifesté leur mécontentement, parce qu'ils ont revendiqué leur vote. C'est ça. Donc,
C'est une journée de deuil pour nous. Jeudi, noir. Voilà. Et pour rien au monde, nous ne devons oublier. Pour rien au monde, nous ne devons nous laisser faire. Pour rien au monde, nous devons reculer. Nous devons avancer pour que le pouvoir Bongo soit brisé. Pour que justice soit rendue à tous nos martyrs. Vous savez, c'est difficile pour les Gabonaises. Parce que pour nous, ce que nous avons de plus cher, ce sont nos enfants. Il y en a qui ont perdu le seul fils qu'elles ont mis au monde. Elles se retrouvent sans enfant. Il y en a qui ont perdu les trois fils qu'ils avaient. Ils se retrouvent aujourd'hui sans enfant. Un enfant ne s'achète pas dans une pharmacie. Un enfant ne se fabrique pas dans une usine pharmaceutique. Mais un enfant se forme dans le sein d'une femme. Et pour cela, elle attend 9 mois. Elle a accompagné cet enfant. Et un jour, elle est là assise à la maison. Elle apprend qu'il y a eu des émeutes. Elle attend jusqu'aujourd'hui. Son fils unique n'entre pas à la maison. Quelle joie peut-il y avoir dans le cœur de cette femme-là, dans cette famille-là? Quelle joie! Aucune. Quelle joie un père qui a perdu 3 enfants peut-il avoir? Aucune. Quelle joie des citoyens épris de justice peuvent-ils avoir lorsqu'ils ont vu des Gabonais se faire embarquer, des citoyens se faire embarquer, des Gabonais, des citoyens qui sont gardés injustement, séquestrés en prison, torturés. Quelle joie! Non, il faut que les gens arrêtent. Il faut que les gens aient des cœurs de chair, des cœurs disposés. Il faut que les gens comprennent que le combat que nous menons aujourd'hui, c'est un combat citoyen. C'est pour le bien-être de tous les Gabonais. Ce n'est pas pour une place, une position sociale, non. C'est pour qu'il y ait réparation. Il y a eu des exactions, il y a eu des assassinats, des meurtres, il y a eu des crimes à tous les niveaux. Nous voulons le rétablissement de la vérité. Et que justice soit rendue. Que tous ceux-là qui ont commis des exactions soient punis. Donc le dossier, le contentieux est déjà sur la table, la CPI. Et il y en a qui se permettent de venir nous parler des législatives. Quand vous me voyez là, vous me voyez avec la tête d'une femme qui est capable d'aller s'asseoir avec l'assassin de ses fils, des citoyens. Non, je ne crois pas. Je ne peux pas me permettre d'encourager des gens d'aller s'asseoir sur la table des législatives parce que la France le veut. Ah non, il faut d'abord réparer. Il faut réparer. Le premier contentieux est là depuis 2016. Non seulement depuis 2016, mais depuis 2009, depuis que Bongo, Alain Oduku est arrivé au pouvoir. Pas seulement lui, mais depuis que cette même famille est au pouvoir. Depuis que la famille Bongo nous gère. Il y a eu des crimes. Je voudrais rappeler ici que c'est peut-être aujourd'hui qu'on voit la résistance
des marches, des coups de poing, une autre forme de résistance. Mais nos pères avant se sont battus contre le régime Bongo. Ceux qui pensent que c'est seulement la génération là qui se bat, c'est pas vrai. Nos pères se sont battus avant nous. C'est vrai, ils n'ont pas pu vaincre. Beaucoup ont payé de leur vie. À Gonjo Okawe, cet homme est mort après avoir été torturé par le régime sanguinaire de Bongo. Il faut que les gens sachent la vérité. Ce pouvoir nous a endeuillés, ce pouvoir nous a opprimés, ce pouvoir nous a piétinés. Nos pères ont subi. Ce n'est pas que nos pères étaient incapables, nos pères ont fait ce qu'ils pouvaient. À leur niveau, ils ont fait ce qu'ils pouvaient. On ne va pas les en vouloir. Le système en place, Bongo, a tué des Gabonais, a privé des membres des familles gabonaises. Il a privé des personnes, il a privé des familles entières, des membres de leur famille. Il a tué des Gabonais, il a emprisonné des Gabonais, il a fait exiler des Gabonais. S'il y en a qui ignorent, je vous le dis, il y a des personnes qui ont passé toute leur vie pratiquement hors du Gabon à cause du pouvoir dictatorial d'Omar Bongo. Luc Bongo aussi, un monsieur que j'honore, que j'appelle père, il a lutté contre ce régime et il lutte d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Il nous a, c'est lui qui avait, regardez sur la page de John Cassalo, vous allez voir son intervention devant la cour de Madame Bourantso, la cour constitutionnelle, inconstitutionnelle, c'est comme ça que je l'appelle. Donc les crimes du système Bongo n'ont pas été commis qu'aujourd'hui. C'est depuis 51 ans. Même à l'époque de Léon Mba, les Gabonais se sont levés. L'armée gabonaise s'est levée pour dire non à Léon Mba. Il y a eu un coup d'État en 64. Il y a eu un coup d'État. Les bérets noirs, là, se sont levés. Ils ont dit à Léon Mba, quitte. Ce n'est pas toi. À ce moment-là, l'armée gabonaise savait, elle connaissait encore son rôle. Elle protégeait encore ses populations. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'armée française s'est dépêchée et venue remettre Bongo au pouvoir. Ils ont bombardé le camp militaire. Le camp Barakal, on appelle aussi ce camp-là Toulekima. Le camp Barakala, c'est comme ça qu'on appelle ça, à Libreville, le camp Toulekima. Sauf s'ils ont changé de nom. J'ai toujours vu ça. Quand j'y allais, je vois, même quand je passe, c'est écrit Toulekima, le camp Barakala. Donc, je ne viens pas faire des discours, je ne sais pas en faire. C'est juste pour rappeler aux uns aux autres que c'est question d'éthique aujourd'hui, question d'honneur. Nos fils sont tombés. Est-ce que nous irons nous asseoir sur la même table que l'assassin de nos fils, que le meurtrier? Non, 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 coco. C'est pas possible. Beaucoup de nos enfants n'ont pas été retrouvés. Beaucoup de familles n'ont pas encore fait leur deuil. Que les uns viennent déjà crier sur la toile, il faut aller aux législatives. Faire quoi? Qu'est-ce qu'on va chercher là-bas? Il n'y a pas eu encore réparation. Rien n'a été éclairé. Rien n'a été fait. Le contentieux, il est encore là. Les juges de la CPI sont arrivés au Gabon. Il y a eu des préliminaires. Voir s'il était possible d'ouvrir une enquête. Donc une pré-enquête a été faite. Et nous demandons encore aux familles qui ne se sont pas déclarées, aux familles qui ne se sont pas présentées, aux familles qui n'ont pas dit qu'ils cherchent aussi leur enfant ou leur proche. Je vous demande, nous vous demandons de vous présenter à la société civile qui s'occupe de recenser toutes les victimes, toutes les familles qui recherchent un membre, un des leurs. C'est ça. Et qu'aujourd'hui, les gens vont se permettre de dire qu'ils vont s'asseoir à la table des législatives. Le contentieux n'est pas fini. La CPI doit continuer maintenant ses investigations. Il faut que le dossier du Gabon à la CPI, eh bien, que ça soit ouvert. Que le procès commence.
C'est à ça que nous devons maintenant nous réunir. Nous devons réunir toutes nos forces. C'est à ce qu'il faut voir. Il faut que justice soit rendue à nos enfants. C'est quoi cette histoire-là que les gens vont se détourner de la vérité? On doit maintenant aller au tribunal. Le dossier est maintenant au tribunal. Quand on vous demande, non, il faut aller s'asseoir au quartier. Le chef du quartier demande à ce qu'on aille manger le bouillon. C'est un peu comme ça que ceux qui nous parlent des législatifs sont en train de faire aujourd'hui. Nous demander d'aller nous asseoir alors qu'on doit aller s'asseoir au tribunal maintenant. C'est eux qui sont allés les premiers, qui sont allés en premier, demander qu'il y ait ouverture d'une enquête. Ils sont allés faire la demande à la CPI. Madame Beth Nsouda a reçu ceux qui ont été dépêchés pour cela, venant du Gabon, le gouvernement illégitime là. Et maintenant que l'enquête a été ouverte, maintenant que les investigations vont continuer, eh bien, ils veulent se retirer. Et ils viennent vous parler de distraction. Ils viennent vous distraire. Ils viennent distraire le peuple. Simplement parce qu'ils ont toujours juré dans la Russe. Et vous allez accepter ça. Et vous allez accepter ça. Oui, Hugues, tu dis qu'il devient un tchoréré. Ah, d'accord. Merci. Merci, il devient le grand tchoréré. Merci, mon frère. Donc, il n'est pas question qu'on se laisse berner, qu'on se laisse avoir. Le dossier est maintenant à la CPI. Ce que nous devons maintenant faire, c'est d'aller soutenir ce dossier à la CPI en allant manifester, comme font souvent nos frères ivoiriens. C'est ce que nous devons maintenant faire. Aller dire à Ben Souda là-bas qu'on t'a à l'œil. Nous sommes la société civile. C'est nous qui pleurons nos enfants. C'est nous qui avons des frères qui sont emprisonnés, qui sont torturés en prison. C'est ce que nous devons faire et nous devons aller le lui dire là-bas, aller manifester, dire que nous voulons que justice soit rendue. Parce que la société civile, elle a été bafouée. Elle crie. Elle est tuée. Elle est poursuivie. Nous n'avons pas d'armes. La société civile a le droit de s'exprimer. C'est nous, le peuple. Nous avons choisi un autre homme. Donc, on n'a pas à nous imposer quelqu'un qui a tué des civils non armés. Quelqu'un qui a envoyé des milices dans les quartiers, tuer des gens. Et puis, ceux qui disent qu'il faut qu'on aille au législatif, vous ne voyez pas qu'ils sont en train de vouloir couvrir les crimes que Bongo a commis. Ils sont en train de vouloir couvrir les crimes que Bongo a commis. Quand ils vous demandent d'aller au législatif, ils sont en train de vous détourner du vrai problème. Le vrai problème, c'est que la CPI a déjà reçu le dossier du Gabon. Et l'enquête va commencer. Le procès commencera. L'enquête est déjà ouverte. Les investigations sont en train de se faire. Donc, au lieu maintenant de pousser que justice soit rendue, vous allez partir voter. Vous allez voter qui? Le contentieux est encore là. Ça ne va pas. Pour comprendre ce qui se passe, on n'a pas besoin de faire des études. On a simplement besoin d'avoir le discernement. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement le discernement. Comment nous qui sommes endeuillés, vous allez me demander, moi qui pleure mon enfant, moi qui pleure des jeunes Gabonais, d'aller m'asseoir à la table de l'assassin, du meurtrier. Ça ne va pas, non. Je m'en vais à la CPI. C'est là-bas ma place. Je m'en vais à la CPI. Vous devez produire d'autres éléments qui accablent le pouvoir en place. Donc moi, je viens faire encore ce live pour vous dire, jeudi noir, nous n'avons pas à nous laisser distraire par les putschistes, par les dictateurs. Nous ne devons pas les craindre. Nous devons pousser. Il faut amener, il faut apporter encore des éléments qui vont accabler le pouvoir en place. Il faut des preuves, encore plus de preuves pour accabler le gouvernement de Bongo qui est en train de dire autre chose. Il y a trop de malversations. Il faudrait que dans leur dossier, tout ce qu'ils ont écrit là, tout ce qu'ils ont écrit, il faudrait que ce soit prouvé que ce n'est que des inepties. Donc j'accepte, hein. J'acceptais tout à l'heure. Donc il ne faut pas se voiler la face. Ce qui se passe aujourd'hui là, c'est la ruse. Ils veulent nous détourner du vrai chemin. Nous avons perdu des enfants. Nous avons perdu des fils. Nous avons des compatriotes qui sont morts.
tué à l'arme lourde. Il y a des impacts au QG. Et ce n'est pas seulement au QG. Dans des quartiers, ils sont allés tuer des jeunes en Zion. Ils sont allés tuer des jeunes derrière la prison. Des enfants de 16 ans ont été tués à l'arme de guerre. Des femmes ont été violées. Et pour cela, vous allez vous laisser distraire. Et pour cela, vous allez partir faire l'ambiance. Moi, j'appelle ça l'ambiance. De quel législatif s'agit-il? Quel vote? Vous allez partir voter alors que vous cherchez vos enfants? Alors que vos enfants sont en train de mourir, de pourrir, de moisir en prison? Vos frères sont en train de se faire massacrer en prison, de se faire torturer, de se faire violer? Plusieurs ne peuvent même pas avoir de la visite. Vous le savez, jusqu'où on va être lâche? Jusqu'où on va se taire? Jusqu'où on va se laisser faire? Jusqu'où nous avons déjà des éléments qui accablent le pouvoir en place? Jusqu'où on va être là, arrivé, alors que nous avons déjà l'arme fatale, l'arme qui va faire en sorte que Bogo perde, quitte le pouvoir. Si c'est, vous voulez que le combat il soit pacifique, ok, faisons alors un tout petit peu confiance à la CPI. Oui, moi je vais faire confiance, mais ça ne m'empêche pas de dénoncer, ça ne m'empêche pas de manifester, ça ne m'empêche pas de dire que non, il faut que Bogo quitte le pouvoir. Mon frère, bonjour. À toi la parole. C'est jeudi noir comme d'habitude. J'essaie de mettre quelques louanges pour mettre une ambiance de comment dirais-je ça, une ambiance qui vient à nous amener au recueillement. C'est trop fort, on entend beaucoup. Oui, là, je t'entends. J'ai diminué le... Oui, je t'entends. Je t'entends. Bonjour. Oui, je t'entends. Oui. Bonjour. Vas-y, parle. Bonjour à toi seul. Je crois qu'il y a un problème de connexion. Il y a un problème de connexion. Souvent, oui, ça bug effectivement. Il y a un problème de connexion. C'est ça. Donc, excusez-moi de peut-être mélanger, mais je ne sais pas trop si j'ai mélangé, mais je pense quand même que ça rime. On pleure, on ne peut pas nous demander d'aller nous réjouir. On ne peut pas parler de poste. Comment est-ce que le gagnant va se faire manipuler? C'est nous le gagnant, c'est nous le peuple. Quand on parle de souveraineté, les uns ne connaissent même pas leur rôle. Ils nous abrutissent. Moi, vous n'allez pas m'abrutir. Et je dis, ne vous laissez pas faire. Il ne faut pas se laisser faire. Aujourd'hui, la société civile a décidé de tenir tête à ce pouvoir. Oui, on est devenu résistant. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons tout justement que nous avons un rôle à jouer. C'est nous qui avons validé le candidat Champy. Mais malheureusement, Bongo, comme d'habitude, a volé le vote. Et tout le monde sait que ce n'était que de la tricherie dans le Haut-Ogooué. Les femmes ont dû accoucher. La même nuit, elles ont accouché plus de 25 000 adultes. C'est-à-dire, les bébés-là, en une même nuit, ces bébés-là ont grandi et sont allés tous voter. Mais quand vous suivez exactement, quand vous suivez les comptes qui sont faits, quand vous suivez les dépouillements que les Occidentaux ont eu à faire, c'est clair. Autant d'inscrits, il ne peut pas avoir moins d'inscrits et plus de votants.
À l'inscrit, on a par exemple 500 personnes. Et maintenant, dans les votes, il y a 1 million. Il y a un problème. Attendez, je ne viens pas parler de ça. Je viens juste dire que qu'on arrête. Je viens de dire que qu'on arrête de nous prendre pour des moins que rien. Ils nous ont assez fait balader comme ça. Ils nous ont assez fait croire que c'est Bongo qui est le meilleur, qui peut gérer. Ce sont les Bongo qui sont les seuls qui ont été mandatés à gérer le Gabon. C'est faux. Ils ne sont pas Gabonais. Bongo, c'est pas son nom. Le nom Bongo, c'est la famille de Martin Bongo là. Et ils sont et ce Bongo Albert Bernard qui est revenu un sango de la Centrafrique, qui nous a été ramené par Liomba, imposé par la France. Ils ont aussi préparé celui qu'on appelle Ojukwu et Emeka. Comment c'est toujours des étrangers qui doivent gérer le Gabon. Et quand ils gèrent même le Gabon, là, ils le gèrent mal. Ils tuent les Gabonais. Ils oppriment les Gabonais. Ils flouent la justice. Comment ça? Et on va continuer d'accepter? Non, 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 non. C'est terminé. Nos pères ont commencé ce combat. Plusieurs ont laissé leur vie. Les Banans Saturnais, ils se sont battus. Les Peupa Oyonnax, il s'est battu. Emprisonné, il est exilé ici. Ils ont tout fait. Il est mort parce qu'il avait été torturé, même si après il est parti dans le gouvernement. Les Agondjo-Okawe, des personnes comme ça qui ont été torturées. Hein? Vous pensez qu'on a oublié ça? Il y a eu des hommes valeureux avant nous. Il y a eu des personnes qui ont fait face, qui ont dit non à ce putschiste-là, au prix de leur vie. Ce sont nos exemples. Et personnellement, je vais les suivre, je les suis. C'est clair. Il n'est pas question que le sang de nos enfants en train de crier vengeance, et moi je vais aller m'asseoir sur la table de celui qui a fait verser ce sang qui crie vengeance aujourd'hui. Mais les gens se prennent pour qui? Jusqu'où on va être lâche? Jusqu'où on va être poltron? Jusqu'où on va être comme des polichinelles? Jusqu'où on va être comme des fantoches? Jusqu'où on va être là, des bénis, oui. Jusqu'où? Tu ris? Vous riez quoi? Ou bien vous trompez, peut-être que vous vous trompez de. Ça peut arriver. Il n'est pas question aujourd'hui de nous parler des législatives. On ne veut plus entendre parler des législatives. Nous les femmes qui avons perdu des enfants, nous vous interdisons de nous parler encore des législatives. Venez d'abord nous rendre les corps de nos enfants. Nous disons en Bongo, envoyez la vidéo là à Bongo. L'homme vidéo y Bongo, même si il a pris des corps qu'ils ont amenés à Port-Gentil, qu'ils ont incinérés, qu'ils viennent rendre la poudre. Qu'il vient rendre la poudre. Qu'il ramène cette poudre-là. On va garder. On n'a pas encore fait le deuil de nos enfants. Donc arrêtez de nous parler des conneries de législative. Nous, le peuple, on n'en veut plus de Bongo. Nous avons voté massivement pour le changement. Et Bongo est venu, il a tué. Et aujourd'hui, certaines personnes qui étaient avec nous Dieu nous parlait de législative. Venez dire, mais moi j'étais au QG de Jean-Ping. On vous a dit que le fait d'avoir été au QG de Jean-Ping qui te donne droit de ne pas considérer la souffrance des autres, de ne pas considérer que les droits de l'homme sont bafoués, que des Gabonais sont emprisonnés, et qu'il y a, un, y a, y a un contentieux qui est encore là, et que la CPI aujourd'hui a ouvert une enquête. Donc, vous allez faire quoi là-bas aux législatives pendant qu'il faut maintenant aller à la haie? Aujourd'hui, il faut aller à la haie. Il faut penser à aller à la haie. Il faut qu'on aille faire la pression. On doit aller à la haie. Il faut que la société civile, les mamans, se lèvent pour aller à la haie. Voilà ce qu'on doit faire maintenant pour que justice soit rendue. Bongo doit nous dire où sont passés les corps de nos enfants. On pleure nos enfants, nos beaux enfants que Dieu nous a donnés. Et vous venez nous parler du vote. Vous allez voter qui? Qui vont faire quoi? Bongo n'a pas, il ne s'est pas rendu compte que toutes les personnes qui venaient là, lui, voyaient du bleu. En réalité, c'était des jaunes. C'était un peuple de caméléons qui change. Il faut arrêter ça. Ce peuple de caméléons-là, il faut que vous arrêtiez de changer.
faut être honnête avec soi-même. Vous ne pouvez pas crier haut et fort que vous souffrez. Et après, les gens vont venir vous, on vient vous proposer que voilà, il faut venir voter. Alors que les premiers votes, toi, tu as perdu ton enfant. Le fils de ton voisin n'est jamais rentré. Tu entendais comment est-ce que ton voisin pleure. Le fils de ton voisin a été tué. Tu entendais comment est-ce que elle criait. Arrêtez d'être égoïste, d'être stupide. Il faut que ça s'arrête. Jusqu'où on va être comme des dupes? Il faut que ça s'arrête. Hé! Hey! Hé! Hey, c'est le jour de deuil, Ngongo. C'est le jour de deuil. Bongo a tué nos beaux enfants. Pardon. Si quelqu'un veut intervenir, hein, il peut. Si quelqu'un veut intervenir, il peut faire la demande. Bonjour Alain Serge. Bravo à vous, hein, en tout cas. Bravo à vous. Mais c'est qui est sûr aujourd'hui? Moi, je ne veux pas entendre parler des législatives. Je suis en deuil. Je ne veux pas entendre parler des législatives. J'ai maintenant des réactions. Si j'entends chez les voisins un peu de bruit, je viens regarder. Je ne veux pas entendre parler des législatives, pardon. Collez-nous la paix avec vos législatives. Si vous étiez les pions du pouvoir quand vous êtes venus dans l'opposition là, si c'est vous les pions là, il faut savoir que votre disque là est déjà rayé. Nous, on est en train de. Nous, on dit ceci. Aujourd'hui, hein, c'est la haie maintenant. C'est la haie, oh. Ce n'est pas les législatives, oh. C'est la haie maintenant. Là, maintenant, c'est la haie. Vous voulez nous détourner du vrai sujet. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est que, Bongo, le dossier est à la haie. Les exactions qui ont été perpétrées par Bongo, tout ça là maintenant, c'est la haie. Il faut qu'on apporte maintenant des preuves. C'est ça. La société civile, les parents qui n'ont jamais témoigné, je vous invite de vous rendre chez au rôle BG, dans les cellules qui ont été mises en place pour pouvoir recevoir des témoignages. Voilà ça, c'est ce que nous devons faire. C'est maintenant cela que nous devons faire. C'est ce qui est primordial pour nous aujourd'hui. Récolter des témoignages, des familles endeuillées, pour les familles qui n'ont pas pu s'exprimer. Voilà ce que nous voulons faire aujourd'hui, que de nous parler des législatives. Que quelqu'un ose me taguer encore sur les législatives. Ah, Tingzamayo, il va me sentir. Que quelqu'un m'envoie même que Hôtel va parler. Ne taguez pas. Parlez-moi, quel jour on va aller à la haie. Parlez-moi, quels sont les éléments qu'il faut envoyer. Parlez-moi, quel est le lien de la haie, le comment on appelle? Notre avocat, Maître Altice, parce que je crois que c'est lui qui est l'avocat du côté de la société civile. Voilà le vrai problème maintenant. Voilà la vraie chose. C'est entre nous-mêmes maintenant. Donc, nous devons nous atteler à récolter des images, à récolter des témoignages. Ceux-là qui n'ont pas pu témoigner, s'il vous plaît, la douleur est là. Pour au moins nous soulager, pour au moins vous soulager, allez-y, témoignez. Comme ça, justice sera rendue. Les enfants qui sont, beaucoup d'enfants sont encore en prison. Si vous voulez, vous souhaitez retrouver votre enfant, beaucoup sont en prison. Tout comme beaucoup sont sous terre. Oui, c'est la vérité. Beaucoup ont été tués. Beaucoup de corps ont été incinérés. C'est à cause de ça qu'ils ont tué, comment on appelle le monsieur qu'ils ont pendu là, le métis là. Robert Sonnet, parce qu'il avait vu, il avait assisté, il a vu des scènes obscures. Et malheureusement, ils ont su que voilà, il avait des images contre eux. Ils sont arrivés très rapidement, ils l'ont tué. C'était un témoin. Vous voyez, ils effacent tout ce qui peut les discréditer, tout ce qui peut leur causer du tort. Tout ce qui peut prouver que c'est eux les auteurs des massacres. Tout témoignage qui les accable, ils font le maxi d'effacer. Donc, ce que nous devons faire aujourd'hui maintenant, nous devons nous atteler à récolter les témoignages de la société civile. Voilà ce que nous devons faire. Je vous en supplie, pardon. Je vous en supplie.
Le vieux téléphone là aussi, c'est déjà fatigué. De toutes les manières, je vais arrêter là, puisque l'autre téléphone ne passe plus. Donc, c'était juste pour vous rappeler que ce jour, c'est un jour que c'est un jour d'hommage. Hommage réservé à nos fils. Le jour que nous pensons à eux. Le jour que nous devons réaliser que le pouvoir en place est un pouvoir sanguinaire. Ce pouvoir nous a arrachés des citoyens, des fils, des filles, les membres de nos familles. Ce pouvoir nous prive de liberté. Ce pouvoir nous prive de rendre visite même aux citoyens qui sont séquestrés en prison. Ils torturent nos frères, ils torturent Zibi, ils torturent Landry, ils torturent Hervé, ils torturent Mbella, ils torturent Stampy. Depuis là, il y a des enlèvements, il y a des arrestations arbitraires et abusives. Et personne ne dit mot. Et qui se tait consent et participe, tu deviens complice lorsque tu te tais. Donc, jeudi noir, c'est le jour des pleurs pour nous, jour de deuil, jour de recueillement. Nous pensons à nos enfants. Cela est inadmissible de se taire. Parce que se taire, c'est devenir complice, comme je le dis, et je le dirai toujours, parce que je tiens le même discours. Je ne vais pas changer de discours. Je ne vais pas chercher des grands mots français, parce que nous ne sommes pas dans l'académie. Nous sommes dans la revendication. Nous sommes dans les pleurs. Nous avons des cœurs brisés. Nous avons des larmes. Nous nous indignons. Nous voulons le rétablissement de la vérité. Nous voulons que justice soit rendue à nos enfants. Donc pour nous, jeudi, c'est jeudi noir. Pour nos martyrs, il faut que vous le sachiez. Chaque jeudi, sur votre profil, mettez quelque chose. Une image de nos fils. Une image qui rend hommage, une image en souvenir de ces personnes-là. Ouais, c'est un peu ça. Donc, merci à tous ceux qui m'ont suivi et merci à tous ceux qui me suivront après. Le combat, il continue, il est noble, il est citoyen. Et nous allons vaincre le système Bongo. Soyez-en sûrs, pas de législative. Tant que justice n'est pas rendue à nos fils, tant que le sang de nos enfants crie vengeance, ne venez pas me taguer sur les législatives. Celui qui va aux législatives, c'est quelqu'un qui a perdu la raison. C'est ça. Qui a perdu tout honneur. Qui, en réalité, est complice des massacres perpétrés par Bongo. Voilà ce que je dis en dernier. Merci de m'avoir suivi. Le combat continue.